changer toutes mes ATC que j'ai reçues. Donc, j'avais fait une proposition d'échange d'ATC, j'en avais fait pas mal, et du coup, j'avais proposé ça à l'échange sur ma chaîne, simplement juste une ATC et une petite carte pour ceux qui voulaient, mais c'était vraiment que des ATC. Du coup, je les ai pratiquement tous reçus, il doit m'en manquer, j'ai encore deux envois. Mais j'attends de recevoir les dernières ATC. Et comme ça, je serai, tout sera très très bien. Voilà. Donc, j'ai mon classeur ici d'ATC où je range, où je les range tout ici dans des feuilles spécialement conçues pour les ATC. Donc, c'est des feuilles qu'on peut trouver, que moi j'avais trouvé sur Amazon. Je vous mets comme d'hab en barre de description le lien pour si jamais vous en voulez. Donc là, je vais ranger celles que j'ai reçues. J'ai pas compté combien j'en avais. J'aurais peut-être les compter et puis on regardera, on fera un petit tour après, un petit check-up pour vous montrer toutes les ATC que j'ai. Là, je les ai comptées vite fait tout à l'heure, j'en ai 163. Donc, on va dire que c'est pas mal. Par contre, ici, il y a les adresses. Du coup, je n'ai pas pensé. Je vais peut-être cacher tout ça ici pour pas que vous voyez. Ouais, c'est pas mal. Donc, alors, elles sont toutes là, mes ATC. Je vais commencer par celle-ci. Alors, j'ai déjà celle-ci. Donc, ça me vient de Alexandra M. Alors, je ne vais pas tous vous dire, hein, parce que là, sinon, on risque de passer du temps. Alors, j'ai déjà celle-ci. Ensuite, je vais ranger celle-ci. Ah, bon, oui, ça rentre parfaitement. Ensuite, ça, celles-ci, elles sont ensemble. Celle-ci, on va la mettre là. Ensuite, celles-ci, elles vont ensemble. Et je compterai après combien j'ai en tout, j'ai d'ATC. Celle-ci. Je vais la mettre là. Hop. On va faire en sorte qu'on ne voie pas les adresses ici. Hop. Oh, je vais peut-être mettre ça comme ça. J'ai deux tags aussi. J'ai reçu deux tags. Donc ça, il faut que je les range ensuite. Alors, je vais continuer avec celle-ci. Donc ça, c'est des petites pochettes où on peut ranger 9 ATC. Mais on peut aussi faire des pocket letter. Donc là, au moment où je vous filme, on est le 2 août. Je suis en vacances depuis, on va dire, depuis quand? Depuis lundi. Et il a plu tous les jours. Je ne sais pas ce que ça va nous annoncer, mais c'est vraiment, vraiment pas terrible au niveau du temps. Bon, après, on a quand même bougé, hein. On a bougé lundi déjà. On est allé voir pour faire l'état des lieux pour l'appartement de mon fils, mon grand, qui part sur Rennes, du coup, en études. Et du coup, ben, il lui fallait un petit appart. On a été faire l'état des lieux pour l'appartement. Voilà. Et du coup, bon, on est monté sur elle. On a été faire un petit peu de magasin. Donc, déjà, ça va passer une bonne partie de la journée. Et hier mardi, on est allé sur Nantes puisque mon fils, mon grand, partait en vacances avec sa copine. Du coup, il partait en Grèce. Du coup, on l'a déposé à l'aéroport de Nantes et on est allé faire un petit tour. Du coup, non, je ne vais pas ranger ça comme ça. On est allé faire un petit tour ensuite dans les magasins à Atlantis. Donc, c'est un grand centre commercial où il y a plein, plein, plein de magasins. Je me suis fait un petit peu plaisir au niveau des achats. J'ai acheté un Lego. À bientôt 45 ans, et eh bien je me suis acheté mon premier Lego. Bon, ça coûte un peu cher effectivement, mais j'ai voulu me faire plaisir. Je vous montrerai ça certainement.
pour mon petit, pour mon petit Lego. Non, c'est un grand Lego que je me suis pris du coup au magasin de Lego. On est allé faire un tour aussi à Ikea où on a acheté un petit peu de vaisselle. On a été allé faire un tour à l'espace culturel de Leclerc où je me suis racheté un livre de colo, le 4 saisons. On s'est pris le DVD Avatar, le dernier qui est sorti. Je me suis trouvé des Pixelobby. Et c'est tout. Je regarde là. Ouais, Pixelobby, mon Lego. On est allé manger au restaurant et puis après on est rentré. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, mercredi, on a dit qu'on ne faisait rien. Donc moi, je m'occupe de faire mes petites vidéos, de faire un petit peu de rangement parce qu'il faut faire des rangements. J'aimerais attaquer aussi mon grenier, mais bon, ça, il faut que la motivation soit là, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc là, il me reste ça à ranger aussi. C'est carrément plein d'ATC que j'ai reçu de Emititi. Hop, donc ça va être rangé là. Donc en tout, j'en ai reçu du coup, je pense que là... Ah oui, alors j'ai celle-ci aussi que j'avais reçue, mais je ne lui ai pas indiqué les bonnes mesures pour faire l'ATC. Donc ça me vient de Marie-Pierre. Donc du coup, elles ne passeront pas. Attendez, je vais vérifier, mais je pense pas que ça va passer dedans. Et non, ça va faire trop de choses. Donc ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder, je vais les mettre de côté et je les mettrai dans des petites créas, genre, comme je vous ai dit à chaque fois, je vous en parle, mais un petit junk, ça passera nickel dedans parce que je ne vais pas les ranger là-dedans, ça ne passe pas. Donc là, elle m'en avait fait du coup 6 et je vais les garder pour mettre dans un junk. Je vais mettre ça de côté. Donc du coup, donc voilà pour ma petite, mes premiers jours de vacances. C'est pas voilà, au niveau du temps, on n'est pas gâté, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'en ai reçu 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Du coup, 24 que j'en ai reçu, il faut que je note. Et j'ai dit que j'en avais reçu 163. Donc, ça m'en fait 7, 6, 7, 8, ça m'en fait 180. Ah non, ah non, j'ai pas compté ça. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Non, j'en ai reçu 33. Donc, ça me fait 6, 9, 196. Parfait. Donc, 4 pour arriver au 200. Je vais ensuite ranger mes petits tags. Des tags que j'avais reçus. Ah, je ne sais plus, c'est pas marqué le nom derrière. Il faudrait que je regarde sur les vidéos pour noter de qui elles me viennent parce que j'ai déjà oublié. Hop, donc ça, je les range ici au niveau des tags. Hop, est-ce que ça va passer? Ça passe nickel. Donc voilà ma petite aussi collection de tags. J'en ai combien? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tags. Sont très jolis en plus. Hop, donc voilà. Et du coup, je vous fais rapidement un petit room tour de toutes mes ATC. Et mes ATC, je les ai commencés, je crois. Alors, je vais faire en sorte qu'on ne voyait pas du coup au niveau des adresses. Hop. Voilà. Alors, mes premières ATC, c'est en 2018. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment que je les ai commencées. Vous voyez pas très bien. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est toutes mes ATC. Donc, comme je vous ai dit, du coup, j'en ai 196. Il y en a pas mal. De toutes sortes. Hop. Ah, vraiment, là, vous avez toute une collection avec les stickers de chez Action, ça. Sur les Avengers. Bien sûr, j'ai du candy aussi. J'en ai 2 comme ça. Hop. Vous voyez, donc il y a tout style de d'ATC.
Et je trouve que c'est pas mal. Là, vous avez Patrick Swayze aussi, Elvis et Marilyn. Vous en avez comme ça, là, ils sont très jolis. Celle-ci. Plein de superpositions. Ça me vient de Laetitia D. Marie Laetitia. Marie Laetitia, peut-être. Pareil, hein, c'était en 2018. Donc là, je me demande si c'était pas par rapport à la Coupe du Monde, non? Je ne sais plus. Ouais, 2018, Russie 2018. Donc, vous avez aussi sur le thème Halloween. Vous avez la Gorgeous. Au niveau de Noël. Les petites fées, parce que j'aime beaucoup les petites fées. Ici, j'ai un Merci Peggy. Alors ça, ouais, c'était un concours de Ilea. Qui fait beaucoup de diamond painting. Créa Ilea. Voilà. Ici, là, j'ai les deux mêmes à peu près. Ça doit être... c'est Nomami Créa. Donc, vous avez aussi des Gorgeous. Pas mal de petites Gorgeous. Avec les petits lamas, là. Aurélie. Je crois que c'est sa chaîne. C'est... Lily Scrap. Ah non, c'est Lily Scrap Club. Ou Dub. Donc là... Ici, ça, je crois que ça me vient de Marie Scrap. Ouais, Marie Scrap qui avait fait un concours. Et j'avais participé à son concours. Et du coup, elle m'avait envoyé une ATC comme ça, très très jolie. De temps en temps, j'aime bien regarder celle-ci. C'est une shaker. J'aime bien regarder de temps en temps les ATC. Je trouve que c'est sympa. Ça, ça me vient de Karine. Et c'est de 2020. Hop. Celle-ci est très très jolie. J'aime beaucoup celle-ci. Je me demande si c'était pas pour un concours Bérangère E. C'est 26 scraps. Je ne sais plus. Je crois que c'était pour un concours que j'avais fait. Et là, non. Donc là, on continue. Sur le thème d'Halloween. Et là, on arrive à celle que j'ai rangée. Donc, c'est pas mal. Et du coup, dans ce petit classeur, j'ai aussi rangé, alors, que je ne dise pas de bêtises. Ici, vous avez les attestampes. Ça me vient de Camille Scrap. Des attestampes. Donc là, j'en ai un petit peu aussi... Ça, ça me vient aussi de Camille Scrap. Celle-ci. Alors, je ne sais plus le nom. Parce que du coup, c'est pas marqué derrière. Donc, je ne sais plus. Ça date de 2020. Je ne sais plus le nom. Et on a aussi celle-ci. Pareil, de chez... Bah, de Camille Scrap. Mais... Atequant, je ne sais plus. Ça, c'est attestant, je suis sûre, mais les autres, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai d'autres aussi ici. Ça, elles sont très jolies, celles-ci. Ça, c'était pareil pour un concours. C'est des Discrap Créations qui m'avaient fait ces petites attestant. Elles sont très, très jolies. Je crois que c'est Atequant. Camille Scrap 2020 aussi. Donc ça, j'en ai un petit peu... Et là, c'est des pocket letters. Oui, c'est ça, c'est des pocket letters. Où vous avez du coup 9 ATC carrément sur l'ensemble de la feuille. Et ça doit représenter... Enfin, c'est sur le même thème en fait. Donc là, il me semble que ça vient de Cici Créa. Ouais, c'est Cici Créa. On avait fait un échange de... J'allais dire le dit d'enveloppe. Non. Pocket letter sur le thème vintage, elle m'avait fait. Moi, j'avais pas vu, il y a une attestante là aussi. C'est comme une attestante, ouais. Donc, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci qui me vient de Didi Scrap
création, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Didi's Craft Création sur le thème de l'hiver. J'ai celle-ci, mais celle-ci, je n'ai pas derrière. Donc, je ne sais plus de qui elle vient. Donc, d'où l'intérêt de marquer, de bien marquer derrière le nom. Puisque du coup, après, au bout d'un moment, on ne s'en souvient plus. Donc là, c'est sur le thème de Noël. Et vous voyez, j'avais plein de petits scrabigules que je n'ai même pas encore utilisés. Et celle-ci, ça vient de... Ah bah de... Frisquette. Catherine. Une pocket... Une... Oh, pas une pocket letter. Une... Si, une pocket letter. De... Noël. Sur le thème de Noël. Je vais y arriver. Donc voilà mon petit classeur, donc du coup qui s'est très bien rempli avec toutes mes petites ATC. C'est cool, je suis contente, je suis à 4 d'avoir les 200 ATC, donc moi je suis assez contente. Et du coup ça donne vraiment envie de refaire d'autres ATC et de refaire d'autres échanges. Donc et ben écoutez, quand la motivation sera là, voilà. Alors c'est pareil, on m'avait demandé, parce que là j'ai d'autres ATC que j'avais faites. Mais je vais certainement les mettre, il m'en reste une d'ailleurs comme ça, sur des groupes et les groupes que j'utilisais avant pour faire les échanges et que je vais utiliser. Hein, c'est sur Facebook, c'est ATC en folie et j'en ai un autre ATC en folie et je ne sais plus. Je vais vous montrer ça. Et autrement, ouais, vous avez le Tous Fous des ATC. Donc, vous avez celui-ci. Et vous avez aussi, hop, ATC en folie. Je crois que je suis sur deux. Parce que après, ça ne sert à rien, enfin, pour ma part, hein, de se mettre sur beaucoup de groupes d'échanges ATC. Sinon, après, on est perdu. Donc, vu que là, il m'en reste un petit peu là, je vais peut-être partir là-dessus. Je vais voir. Mais après, c'est les vacances, donc... c'est un peu plus compliqué pendant les vacances scolaires. Les gens ne sont pas beaucoup là, etc. Donc peut-être que pour la rentrée, je ne sais pas. Je vais voir. Mais je sais que j'en ai encore quelques-unes à échanger. Donc voilà pour toute la présentation de mes ATC. J'ai rangé toutes mes ATC. Il me reste à ranger aussi les cartes. Et comme ça, ça me fait un peu plus de rangement. Comme je vous ai dit, je suis en vacances. Donc du coup, bah, je profite aussi pour faire un petit peu de rangement. Ça ne fait pas plus, ça fait pas de mal. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.